bah on est reparti. Ah punaise, ce misclic là. 1h23, en sachant qu'on a fait que même pas 20 minutes. Ça sert à pas grand chose. Hein. D'ailleurs, je vais vérifier le son tant que j'y suis. J'ai des bugs, c'est génial, hein, vraiment. Le coin là, c'est sûr, il est obligatoire. Hein, mais bon, voilà. Nice. Aïe 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 aïe. On va vérifier sur les lives de tout à l'heure en fait. On va. Mince, mode en ligne. Bah, techniquement, on va créer, voilà. Type de joueur débutant, clairement. Pas de préférence. On s'en fiche, message. Ouais. Quête et expédition, pourquoi pas. Quête novice. Session privée, oui. Pour être tranquille. C'est parti. Nice. Le coin. Du coup, je vais pouvoir vérifier le son normalement. Y a pas de son. Ah bah là y a le son. Ouais mais là y a plus de son, c'est. Oh. C'est abusé. Punaise. Voilà bon. Du coup, on est reparti. Je sais plus qu'est-ce qu'on faisait. Parler à l'assistante. Ah, on pouvait commencer à faire un stuff, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ça, normalement, c'est ma chambre. Votre chambre, oui, c'est bon. Ça, on s'en fiche. On va descendre. On va aller jusqu'au. Je sais même pas en fait. Je vais aller au forgeron. Pour ça, je vais pas me prendre la tête. Hein. Click up, forge. Quitte à prendre une légère animation. C'est rapide. Donc voilà. Du coup, mon ami le forgeron. Nice. Du coup, on va faire forger des armures surtout pour l'instant parce que c'est ce qui va nous être le plus utile. En vrai, l'armure de chasseur elle est pas mal, mais celle en os elle est bien aussi. Allez. Ouais. Équipé, oui. Nice. Du coup, on va mettre aussi le torse tant qu'on y est. Hein. On va essayer de faire l'armure complète pour le début. On équipe. Wow. Déjà plus de style là. Du coup, il nous faut de la peau de Jaga. 1, 2 et 3 peaux de Jaga. D'ailleurs, c'est dommage que ma caméra soit si grande. Attendez, je vais essayer de la diminuer. Je peux diminuer un peu ma caméra pour voir un peu mieux les infos, quoi. On va voir si ça fonctionne bien. Ouais, non, ça cache toujours le truc. Ah là là, dommage. Du coup, déplacer. Attendez, là il y a un gros problème que j'avais pas prévu ça. Hein. C'est vrai qu'en touchant autant à la caméra, ça modifie beaucoup de choses. Hein.
Ouais. En haut à droite, je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme info, mais. On va laisser ça là, c'est bon, on s'en fiche. Du coup, on va devoir de toute façon aller chercher des trucs. On peut craft des grandes épées. Donc c'est pratique. Épée, bouclier, marteau, lance. Nanana, ok. Ouais, non. Les doubles lames, c'est peut-être bien, mais je vais peut-être prendre une épée longue dans ce cas-là. C'est là, c'est le plus rentable, mais après. Allez, on va la faire, on va la craft, on va l'équiper et on va l'utiliser pour la prochaine mission. On verra bien ce que ça fait. Et voilà. On verra la suite. Hein. Voilà. Équiper. Et on est parti. Équipement de palico. Est-ce qu'on peut lui crafter un truc? C'est quoi les points? Forge, équipement palico, c'est sûrement les points palico. Je sais pas trop, je sais pas vraiment. Oula, je préfère pas. Je préfère rien faire là-dedans, c'est bon. Du coup. Je reçois des messages. Parler à l'assistante. On va aller lui parler, tiens. J'ai reçu une photo, c'est génial. Pourquoi pas? Du coup, mon assistante. Te voilà. Te voilà, il faut qu'on s'occupe de ces questions. Le chef a dit qu'il viendrait aussi. Je propose de commencer nos recherches à côté de la forêt ancienne. Au fait, bonne nouvelle, nous afficherons maintenant toutes les pistes que nous trouverons sur le panneau des quêtes. Tu peux donc t'inscrire dans différentes quêtes directement depuis le tableau au lieu de venir, de devoir, au lieu d'avoir à revenir ici. Ok. Ceci dit, tu risques de passer à côté de succulents repas. Tu peux aussi consulter le panneau des quêtes. Pourquoi pas? Il propose les mêmes quêtes que moi, alors ce n'est pas la peine de vérifier aux deux endroits. Ouais, c'est pas mal. Direction la forêt ancienne, alors étudions ces questions. Du coup, les questions. Bof. Je vais faire un truc vite fait, hein. Je vais aller dans les paramètres de session en ligne et je vais les. Tu m'as l'air particulièrement concentré. Ouais, en même temps, j'essaie de faire pas mal de choses. Mais le truc, c'est qu'il y a un petit problème là. Attendez, je dois sauvegarder. Je vais retourner au menu et je vais essayer de lancer en ligne en fait. Pour éviter d'être en ligne, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment la meilleure chose. Désolé, désolé, je sais plus écrire. T'inquiète, je sais ce que c'est. Pizza. Nice. D'ailleurs, Foxy, est-ce que tu as vu le.
Comment dire? Est-ce que tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée sur TikTok? En vrai, tu vas rigoler, hein. J'en ai envoyé plusieurs, mais bon, après, voilà. Du coup, hop. Du coup, option. Touk 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 touk. Mince, c'est pas là-dedans. Comment c'est? J'avais raison, Monster Hunter, ouais. Hop, du coup, je veux. Bah, je veux pas en fait. Ouais, bon, c'est pas grave, j'ai fait un peu une erreur, mais bon, c'est pas grave. Monster Hunter, un autre jeu que j'aime bien sur TikTok, j'ai plus. Ah, c'est pas grave. Mais en tout cas, je t'avais envoyé une vidéo sur. Comment dire? Sur Chica. T'inquiète, t'inquiète, j'avais compris. Du coup, on va parler au panneau. Nouvelle quête. Mission. Hop. Joueur un seul. Et on y va. Autres monstres, les Jaga, les Mernos et les Oplaptodons, je sais pas quoi. Là. Du coup, en attente annulée. Let's go. On est parti. D'ailleurs, j'ai modifié toute mon interface pour pouvoir voir pas mal de choses. Maintenant, je pense que On a si pour c'est mission envoyé d'abattre par un nombre Messenger, donné même de si c'est Plectrodons. sur TikTok, je Ils peux sont regarder. entraînés au Bah, grand coup de j'essayerai de te Plectrodon. l'envoyer après le live Viens. si tu veux. Let's go. Je récupère des trucs. C'est ces trucs-là, normalement, je crois. Voyons de quoi tu es capable. À toi de t'en occuper. Hein. Aïe. Fais attention. Voilà. On récupère la peau de Kestodon. Très Carapace de bien. Kestodon. Nice. Essayons de trouver un autre groupe. Fais attention. T'inquiète Les même pas. Kestodons seront bientôt le cadet de tes soucis. Des monstres bien plus gros rôdent dans la forêt. La faune du coin peut être utile lors de tes chasses. Garde les yeux ouverts. On va s'en occuper de lui.
Allez hop. Par ici. Oui, 2 minutes, j'arrive. Je récupère un peu tout. Oh, des pierres. Voilà, ça peut être utile. C'est quoi cette aura verte? Par ici. Aïe aïe aïe. Oui. Le katana géant, pas utile dans le. Dans trop le, du tout. Trop lent, pas assez fort pour la coupe. Ouais, mais non, t'inquiète. Ah. Fais attention. Quoi, y a quoi en fait? C'est ces bestioles là qu'on doit attaquer? Comment ça va? Bah ça... Wesh. Eh, c'est chelou ça quand même. Super. Ici. Tiens, viens voir. Mais eh ben d'abord je récupère toutes les peaux, frérot. Attends. Le frérot il me dit ouais, viens voir. Frère, par contre les messages quoi. Ouais, tête de nœud. J'aime pas ce même là, frère. Voilà, c'est un peu. Je récupère plein de peaux, c'est nice. Tiens, 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 qu'est-ce que c'est ça? Herbe de feu. Par ici. Pourquoi je bouge? Là. Non. Ok, d'accord. Regarde ces questodons. Quelque chose ne va pas. Je ne sais pas quoi dire. Moi non plus. Grand Jagar. Jean Grand Jagra. Compris. Bien, partenaire. On a une nouvelle mission. Il faut éliminer ce Grand Jagras. Si tu dois te préparer, retourne au QG et attelle-toi à cette chasse au Grand Jagras plus tard. Bien. Se préparer. Si tu as besoin d'aide, ouvre le menu et sélectionne la fusée de détresse pour alerter tes amis. Tes amis te seront d'un grand soutien lorsque tu devras chasser des monstres plus coriaces. Les navicioles peuvent pister un monstre à condition de trouver des traces, comme des empreintes. Ma seule préparation, ça va être ça. Hop, aiguisoir.
Voilà, plus une ration. Voilà. Du coup. Mais voilà, on peut y aller. Se préparer, bien sûr. Bien, tu as trouvé pas mal d'indices. Nice. Champignon bleu. On récupère. Noix de feu, nice. On récupère pas mal de choses. What, c'est moi ou tu étais en train de tu étais en train de déguiser le dos. Déguiser le dos du katana. Non, t'inquiète. On aiguise bien, t'inquiète. On aiguise bien tout. On a tout aiguisé. T'inquiète même pas. Bien. On a trouvé assez d'indices pour que les navicioles nous mènent au Grand Jagras. On doit faire attention un peu dans tout là. Oh, il y a une patte. Utilise la caméra auto pour ne pas perdre le monstre de vue. L'épée longue est une arme de combat rapprochée conçue pour les attaques coupantes. Canalise ton esprit pour augmenter sa puissance. Alors là, mon pote. Esquive. Mieux vaut ne pas prendre une attaque de plein fouet. Ah punaise, j'arrive pas à le toucher. Bien, le monstre est fatigué. C'est le moment de lui infliger de gros dégâts. Lorsque les monstres s'enfuient, utilise les navicioles pour les retrouver. Il y a des carcasses, je collecte. Il y a trop de trucs à récupérer sur les carcasses. Let's go. Il a fumé quoi le perso? T'inquiète, c'est le jeu qui fait ça, t'inquiète.
Tata, c'est quoi ça? Lance de la mousse de lune sur les murs avec la fronde pour éclairer les zones sombres. À l'intérieur d'une grotte, par exemple. Oh, poil d'araignée. Oh, minerai, nice. On explore un peu, hein, tant qu'on y est. Moi, non, ça sert à rien d'aller par là-bas. Let's go. Nice, une carcasse. C'était pas prévu, mais pourquoi pas. Ça doit être dur de faire ces... Ouais, c'est vrai que ça doit être dur. Il y en a plus que prévu. C'est maintenant ou jamais. Vite, il ne faut pas te faire repérer. En voilà une bonne cachette. Espérons que ça marche. Oh non. J'ai pas que ça à faire que de m'occuper de sous-fifre là. Oh oh. Tout va bien. Regarde, le monstre est très affaibli. Il va sûrement se réfugier dans son nid pour recouvrer ses forces. Alors là, mon pote. Le temps que le perso lance son attaque... Nice. Perd tout sur le grand jagasse, hein. Voilà. Il
Hop, on récupère tout ce qu'on peut. Hein. Foutu pour foutu. Hein. C'est bon. Tous les bébés arrivent. T'inquiète. T'inquiète, ils font rien, les bébés. T'inquiète même pas. Ils sont tous morts, de toute façon. Et comme quoi, mon attaque, elles sont... mes combos, ils sont pas mal. Hein. Théma, ce monstre de charisme. Tiens, des plumes. Peut-être que... Mmh. Bon, allons voir. Hey. Oh là là, il est pas très beau lui. Pookie Pookie. J'en étais sûr. Le Pookie Pookie. Pookie Pookie, ouais. Moi je dis Pookie Pookie, donc voilà. Il a l'air très agité. Regardez ça. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais rien vu de pareil. Ça vient du Zora Magdaros? J'aimerais bien le savoir. Mais on doit d'abord faire notre rapport. On rentre. Ouais, tant que vérifier à la sécurité avant de vouloir en savoir plus. On reviendra au moment venu. On reviendra au bon moment. Un gros poulet dégueulasse. Nice. Théma, tout ce que j'ai eu. Bah, tout prendre. Je suis pas un fou non plus. Nice. Point de recherche. Ah, c'est des points de recherche. Ok. Niveau de palico. Niveau 3. Ouh, c'est bien ça. Trophée obtenu. Nouveau dans le quoi? Bienvenue dans le nouveau monde. Ah, compléter toutes les missions principales, une étoile. Bah, j'en ai fait que deux. Pourquoi pas. Enfin bref, du coup. C'est bien, on a récupéré pas mal de trucs. Que demande le peuple? Par contre, je suis le seul à voir les annonces sur Twitch. Parce que j'ai l'impression qu'il y a les annonces maintenant. Je vois. Ah, je vois, vous pensez que vous avez trouvé. Ce que vous avez trouvé nous mènera au Zora Magdaros. J'aimerais envoyer quelques chercheurs sur le champ, mais avec ce Poké Poké dans les parages. Le territoire de Poké Poké, c'est plein de cœur, c'est en plein cœur de la forêt. Annonce des pubs. Non. Les annonces sur Twitch, en fait, normalement, je sais pas si tout le monde le voit, mais moi, je vois annonce de Wizbot qui envoie le lien. Genre, là, par exemple, il a marqué, n'oubliez pas de vous follow là, pour voir les, pour pas rater les prochains lives. Ça, je suis content, maintenant, il fonctionne, en fait, le truc, alors qu'avant, il fonctionnait pas. Le territoire de Poké Poké, c'est en plein cœur de la forêt, du coup. L'intendance prévoit d'installer un camp dans la zone. Ça devrait faciliter les opérations. Bien. Essayons de leur donner un coup de main. Allez, on y va. Ouais, lourd. Une fois le camp installé, tu pourras partir à la chasse au Pookie Pookie. Je me demande où se trouve l'intendance. D'abord, je vais aller crafter des armes et après on verra la suite. Le truc s'abonner, je ne vois pas. Bah, ah, mais c'est parce que je suis sur la version PlayStation. J'ai failli dire PlayStation, mais. C'est parce que je suis sur la version PC, en fait. Le Google PC, on va dire. Eh bien. Voilà qui est mieux avec votre arme. Tu ressembles déjà plus à un chasseur digne de ce nom. Bienvenue dans l'armurerie. Si tu cherches des armes ou des armures prêtes à l'emploi, c'est ici. Pas envie d'aller à la chasse aux matériaux, besoin d'une arme tout de suite, j'ai ce qu'il faut. Alors le nouveau, tu veux jeter un œil? Non, parce que moi je suis un vrai chasseur, je vais chasser. Aïe aïe aïe.
Inutile de faire des stocks de matériaux, utilise-les pour les pour fabriquer de l'équipement qui sera plus fa... qui te sera vraiment plus utile. Alors que alors qu'est-ce que nous avons martelé aujourd'hui? Ouais. Du coup, équipement de Palico. Nice, on va pouvoir lui faire un équipement. Oui, nice. En vrai, je le verrais bien en mode... Avec les griffes de Jagas, ça peut faire un truc bien. Mais d'abord, je vais faire mon stuff à moi et après, on améliorera son stuff peut-être. Compris. Du coup, bah, il faut des matériaux que j'ai pas encore. Forger, arme, non, armure. Ouais, non, c'est dans le chasseur, mais oh. La tunique de Yagra. La tunique de Yagra, elle est belle. Mais elle me diminue les, la résistance au feu, à la foudre et à la glace. Prévisualisation, théma. C'est dommage en vrai parce que je la trouve classe, mais après je me dis ma tenue elle est déjà pas mal. Hein. Surtout que la mienne elle est assez encombrante. J'ai déjà fait un full set de ma tenue et on va voir la suite. Allez. On va pas se retaper l'animation à chaque fois. Hein. Il me manque juste une peau de Jagra pour pouvoir faire le, les gants. Les gants c'est le seul truc qui nous manque. Roi du barbecue. Théma, juste là, roi du barbecue. Nice. Allez, du coup, on, dans les armes... Ouais, l'arme longue elle est pas mal, mais bon. Faut réussir à placer les coups quoi. En vrai, on va taper sur la grande lame. Hein. Autant tester un peu tout. Allez hop. En plus, elle a les mêmes effets que notre arme actuelle. Donc en vrai. Et on peut déjà l'améliorer. Ah, mais c'est la basique qu'on peut améliorer. En vrai, du coup, je vais peut-être prendre la basique et l'améliorer en fait. Hein.
Moi non, on va laisser comme ça. Améliorer. Bah, de toute façon, j'avais pas ce qu'il fallait pour améliorer ça. Pour ça non plus, j'ai pas. Mais par contre, pour améliorer mon stuff équipé, je peux. En vrai, ouais non, pas une bonne idée non plus quoi. Bon, bah on regarde un peu ce qu'il y a. Mais on est reparti. Ah ouais non, pour faire le stuff de mon pote là, de mon petit palico. Oui, le stuff de mon palico. Du coup, en vrai le mettre comme ça, le mettre en jagas, ce serait tellement stylé. Il y a plus de négatif que de positif. Allez, on va lui mettre le stuff de Jagas. Nice. T'es malheureux. La petite boule de poil. On est tous les deux stuffés là, frérot. Tiens. Alors comme ça, la cinquième est arrivée. Salutations, je suis l'ingénieur aéronautique. Wow. De la... What? Pourquoi mon téléphone s'est mis en veille? Je comprends pas. Ah, c'est bon, en fait, voilà. De la seconde flotte, je travaille sur les machines volantes de tous les types. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas encore croisé, tu n'as encore croisé personne de la troisième, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que ils sont coupés du reste du monde. Ça s'est passé peu après l'arrivée des érudits de la troisième qui ont insisté pour traverser le grand ravin. Ils ont transformé leur bateau en dirigeable et se sont envolés vers les nuages. La traversée du ravin s'est bien passée, mais de l'autre côté, un monstre volant les a attaqués et ils se sont écrasés. Certes, ce n'était pas très raisonnable de leur part, mais bon. Mais comme c'est moi qui les ai envoyés dans les airs, je me sens un peu responsable. Depuis ce jour-là, je travaille sur un meilleur dirigeable qu'on pourrait utiliser pour leur porter secours. Mais entre le climat hostile du nouveau monde et les vents violents du ravin qui sillonnent le ravin, toutes mes tentatives ont échoué jusqu'ici. Cela dit, il est hors de question que je jette l'éponge. Nice, pourquoi pas. T'es
Tema, ce panorama. Voilà à quoi ça ressemble quand je retire le truc. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie ce panorama. Tiens, elle veut quoi, elle? Comment va la chasse? Salut à toi, membre de la cinquième. Nous sommes fin prêts à ouvrir le grand pont de la poursuite céleste et sa taverne. Tu trouveras le grand pont d'autres chasseurs avec lequel tu pourras partir en quête. Pour trouver la poursuite céleste, il te suffira de lever les yeux. Ce vaisseau au-dessus de d'Astera, prêt à gagner les étoiles, celle-là. Ouais, c'est clairement ça. Regardez le décor, c'est le plus important. C'est stylé en plus. Voilà, on en profite. Il te suffit de prendre le monte-charge pour y accéder. N'hésite pas à venir nous rendre visite dès que tu auras l'occasion. Ok. Pas vraiment ce que je compte faire, mais pourquoi pas. Comment tu te sens? Alors tu as réussi à trouver tes marques ici, ouais, on va dire. Qui dit nouveau monde dit nouvelles règles. Il faut un temps d'adaptation. Mais on finit par s'habituer avec le temps. Il faut pouvoir survivre. Regarde autour de toi, tous ces gens ici aussi. Haute en couleur qu'ils puissent paraître. Ils ont franchi l'océan tout comme toi. Ils ont tous accompli leur devoir. Ouais, pourquoi pas. Ils ont regardé le nouveau monde droit dans les yeux et ont compris que nos vieilles règles étaient obsolètes. Mais ils ne sont pas découragés pour autant. Ils sont déterminés. L'es-tu aussi, chasseur? Apprends à connaître tes collègues. Leur folie déteindra peut-être un peu sur toi. Mais oui. T'es mal comment il court derrière moi. Ça me fait rire. Intendante, salut toi. Oh, c'est vraiment trop gentil. C'est vrai ce qu'on raconte, tu vas nous aider à réinstaller un camp. En voilà une excellente nouvelle. J'espère que tu es aussi doué qu'on le dit. Si c'est le cas, on aura de quoi s'occuper. Après tout, la commission étudie des tas de choses, et pas uniquement le dragon ancien avec lequel tu es venu jusqu'ici. Entretenir et améliorer la base est déjà un travail à plein temps. Impossible d'étudier quoi que ce soit sans un QG digne de ce nom. L'intendance est là pour rétablir l'état, pour répartir les tâches et veillera à ce que le travail soit fait. Bien, revenons à nos moufas. Tu vas devoir une expédition dans la forêt ancienne. Cherche un endroit propice et installe un camp. Et assure-toi que les environs soient sûrs. Mais si jamais des monstres décident de faire un peu de camping dans le coin, fais-les déguerpir. Ne me déçois pas. C'est bon. Tu as tout suivi? Alors, je compte sur toi. Du coup, objectif, sécuriser un site de camp. Ok. Sinon la vidéo envoyée en privé. Ouais, attends, tu sais quoi, je vais te l'envoyer tout de suite, tiens. Tant que j'y suis. Je vais te l'envoyer. Je fais attention de couper le son parce que vu que je dois aller sur TikTok, j'ai pas envie qu'il y ait de son en fait. Parce qu'il y a beaucoup de musique copyright sur l'application. Donc voilà, faut toujours faire attention quoi. Mais bon, voilà.
Voilà, c'est fait. Du coup, voilà, c'est bon, je te l'ai envoyé. Du coup, sécuriser un site de camp et récompense, points de recherche et coupons. Pourquoi pas? L'intendance est en charge de ressources nécessaires au bon déroulement des opérations et de la commission. Elle propose des missions annexes aux quêtes principales, comme les requêtes, les contrats, les livraisons. Vous pouvez consulter toutes les informations liées à l'intendance depuis le menu du jeu. Ok, requêtes. Les requêtes sont des objectifs indépendants à accomplir durant les quêtes ou expéditions. Vous pouvez y accéder jusqu'à 6 requêtes à la fois parmi la liste de requêtes disponibles. Lorsque vous aurez complété une requête, faites un rapport à l'intendance pour recevoir votre récompense. Les récompenses varient selon les requêtes, sphères d'armure, points de recherche, etc. Ce sont des requêtes importantes qui permettent le plus souvent d'améliorer ou de débloquer de nouveaux services dans les différentes installations Astera. Les requêtes d'urgence sont automatiques et vous pouvez les compléter parallèlement aux requêtes en cours ou à d'autres requêtes urgentes. Pourquoi pas ? Ces requêtes sont proposées de temps à autre aux utilisateurs en ligne dans du monde entier. Les requêtes spéciales ne sont disponibles que pendant une durée limitée. Chaque nouvelle requête spéciale remplace la précédente. Si vous comptez les compléter toutes, toute attention à la date limite. Compris. Petit monstre. Tiens. Tuer 16 petits monstres, ok. Attraper 3 fois des insectes. Récolter 3 miels. Examiner 6 fois des carcasses. Cueillir 7 fois des champignons. Ça, je vais l'apprendre. Examiner 12 fois des carcasses. Voilà, ça nous fera une grosse session et on sera tranquille. Ah bah tiens. Du coup, tutoriel bon, ajouté à la guilde survie. Cette expédition ne va pas se monter toute seule. Rejoins-moi à la porte. Ok. On y va. Là, on est à Astera. Si tu veux partir en expédition, ouais. Ouvre la carte du monde et choisis une destination. Pour cette expédition, direction la forêt ancienne. Plus on explorera le nouveau monde et plus on pourra étendre nos expéditions. Une pas bonne mal, raison ça. De se lancer à l'aventure, non? Je parlerai de celle que j'ai envoyée moi. Je parlerai pas de ça. Oh, j'avais pas compris. Du coup, on va aller à la forêt ancienne et. J'ai encore deux trois trucs à faire à la base, mais on le fera une autre fois. Voilà. Sinon, comment vas-tu? Désolé, j'ai oublié les normalités. T'inquiète, c'est pas un problème. T'inquiète pas. C'est même parce que du coup, moi, j'ai réglé pour faire en sorte de voir quand c'est un modérateur, un viewer ou une personne, un follower ou quoi. Donc du coup, je vois quand les personnes sont... D'ailleurs, j'hésite à faire un truc. C'est parce que c'est bête, hein. Mais j'hésite vraiment à faire en sorte que le chat soit réservé aux followers. Donc en vrai, le level up, nice, 62, oui.
Nice, Foxy. Nice. Du coup, si vous voyagez vers une zone depuis la carte sans avoir préalablement accepté les quêtes, vous partirez en expédition. À la différence des quêtes, vous pouvez librement explorer le monde durant des expéditions. Il n'y a aucune limite de temps. Il est impossible d'échouer, peu importe le nombre de fois que vous vous évanouissez. Il n'y a ni condition de réussite, ni récompense de complétion. Mais vous conservez les matériaux obtenus et les points gagnés. Les monstres quittent la zone au bout d'un certain temps. Vous pouvez mettre un terme à votre expédition à tout moment. Pour rentrer au QG, vous pouvez faire l'une des actions suivantes. Parler à votre assistante au camp, sélectionner retourner au QG dans le menu ou sélectionner Astera sur la carte. Ok. Si vous retournez au camp après avoir complété une quête, vous passerez automatiquement en expédition. Quoi? Vous serez automatiquement en mode expédition. Si vous acceptez une nouvelle quête via votre assistante, les préparatifs de quête seront moins longs si les quêtes en question se déroulent dans la région actuelle. Cherchons l'endroit pour le camp. Si j'arrive à l'emplacement du camp en premier, ou si tu te perds, ouvre la carte ou utilise les navicioles pour me retrouver. Si tu quittes le QG sans avoir accepté de quête, tu partiras en expédition. Il n'y a ni limite de temps, ni limite d'évanouissement. Tu peux explorer les lieux aussi longtemps que tu le veux. La grande épée est une puissante arme de combat rapprochée. Tu es vulnérable lorsque tu attaques avec, mais le risque en vaut la peine. Voilà qui est intéressant. À notre retour, il faudra faire part de cette découverte aux membres de l'intendance. Voilà. Il est possible d'assigner une destination aux navicioles sur la carte. Hé! Ne le provoque pas, on n'est pas là pour ça. Spinosaure. Ouais.
On récupère un peu tout, hein. Putain, foire ça, voilà. T'es dans le timing. La couleur de la viande et la mélodie te fournissent de précieux indices. Raté ! Ce n'était pas tout à fait ça. Comme quoi, il faut s'atteler au fourneau pour devenir un bon cuistot. Bravo ! Voilà, à table. Cuisiner un steak à point. Nice. Pourquoi tu veux faire du barbecue? Oui. Clairement. Ma bon steak à point là, miam. Voilà. On en parle que j'ai éclaté un pigeon, hein. Voilà. On n'a pas forcément besoin de la viande en vrai, donc la viande c'est pas un problème. Oh, il est fat lui, hein. Wouah. J'ai envie de me le tenter. Si j'arrive à le becter celui-là, le repas. Ouloulou. J'hésite en vrai, je me le tente ou pas? S'il s'approche, je le fume. Bon, je dois encore faire ma quête en fait, donc en vrai...
steak à point. Nice. J'explore un peu, hein, tu sais quoi. C'est un jeu d'exploration, non? Par ici. Grand soleil. Frérot, tu peux attendre un peu, je suis en train de récupérer des fleurs. Ça me fait des points, nice. Salut toi. Salut. Ça mort chasseur, il y a vraiment rien de mieux qu'une bonne partie de pêche pour chasser, pour passer la journée. Je suis un petit vénard qui s'est vu confier la par la commission l'étude des poissons et des créatures aquatiques du Nouveau Monde. La pêche, c'est ma grande passion, je vis que pour ça. Je pêche dans même dans mon sommeil. Et j'ai déjà pêché tous les poissons du Vieux Monde, alors quand on m'a proposé un boulot ici, j'ai tout de suite mordu à l'hameçon. Mais comme il n'y a pas que le travail dans la vie, je cherche quelqu'un avec qui taquiner le goujon. Qu'est-ce que tu en dis, chasseur? Ça te tente? Fais-moi signe si ça t'intéresse, j'aimerais voir de quoi tu es capable. Moi, peut-être, pourquoi pas une prochaine fois. Du coup, si tu veux rush le mode histoire, c'est ton choix. Si tu veux si tu veux traînasser pour regarder, c'est aussi ton choix. Fishtick, nice. Ouais, clairement. Pourquoi il y a une croix là-bas? C'est surtout pour la peau que je récupère ça en fait. Voilà, une requête de terminée. On ne gaspille pas la nourriture. Allez, maintenant on peut avancer. Ici. Bœuf. On revient là, ça le lâche. N'oublie pas que tu peux aussi te mettre en garde.
salaud. Lâche, mais quelle lâche, c'est un truc de ouf, la grosse balle magique. C'est fini? Ah bah ouais. Grand Yaga. Grand Yagra. Encore la fuite. Bah clairement, c'est ce qu'on appelle un lâche. Voilà. Déjà la fuite, c'est pas marrant. T'inquiète, j'avais bien compris ça. Mince. J'ai tapé mon chat. Du coup, touk 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 touk, il me faut toujours du miel en vrai, donc si je peux trouver des trucs à miel. Attendez. Nice. Ah mais on découvre tellement de choses. Tellement stylé. Nice. Heureusement, je suis venu. Du coup, je vais regarder. Ok, la grosse bébête, elle se rapproche, donc va falloir qu'on fasse gaffe. Je vais garder les capsules perforantes. Je regarde un peu partout, hein, de toute façon. Nice, des champignons. Bon, toi t'es qui toi? C'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes là ici, ok? Je suis l'éditrice en charge de la du bestiaire
J'ai pour tâche d'apprendre et de publier sur la faune locale. C'est inclus dans toutes sortes de petits animaux, poissons, insectes, bref, toutes les créatures qui nécessitent, qui n'essayent pas de te manger. Ah. Je dois capturer, observer, étudier, vérifier. C'est du boulot. Le nouveau monde regorge d'espèces inconnues. Je ne sais même pas par où commencer. Si seulement j'avais un assistant. Un assistant, attends. Que dirais-tu de devenir cette personne? Si tu captures des animaux, tu pourras les relâcher dans ta chambre pour les observer sous toutes les coutures, le rêve, non? Je ne veux pas te forcer la main, alors réfléchis et reviens me voir, mais je te promets que ces bestioles sont de véritables amours. En vérité, tu as déjà décidé de m'aider, excellente nouvelle. Je savais que tu étais le chasseur de la situation. Pour commencer, pourrais-tu explorer les environs et me capturer un T-Rex des bois? Il ressemble à des oiseaux préhistoriques. Les voir voltiger d'arbre en arbre est juste rare. D'accord? Ces chéris sont des petites boules d'amour. J'en veux rien qu'à moi. C'est pour l'observer, évidemment. Merci d'avance, assistant. Ok. On a une info en plus, on a des trucs en plus. Par ici. Allez, on avance, c'est bien. On a pris notre temps pour explorer un peu, les gars, parce que clairement, c'est stylé en vrai. On dirait un dodo. Un kuluyaku. D'accord. Live du On ne chasseur, pourra lol. pas installer le camp si on ne se Quelle grosse débarrasse pas bébête vite. il y a sur. Qu'il y a. Il y a que ça sur cette île. Ouais, c'est vrai que. Votre navicule. Vos navicioles peuvent vous guider au monstre Grimalkine ou autre à récolter. Appuyez sur le pad, sélectionnez la cible à l'aide du curseur, appuyez sur le R3, donc joystick droit, pour placer une balise. Vos navicioles feront le reste. Durant les expéditions, les navicioles ne vous guideront pas automatiquement vers les écofacts des monstres. N'oubliez pas d'utiliser la carte. Compris. Pour retourner au QG après une expédition, ouvre la carte du monde et sélectionne Astera. Allez. Ça va, il nous laisse pas mal de temps. Chasser la bébête. Techniquement, c'est des champignons, donc on en récupère. Bah tiens, des carcasses. Aïe 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 aïe.
Va falloir que j'aille dans les cavernes en fait. Va falloir que j'aille dans les cavernes là où j'avais trouvé tous les mobs. Et que je les bute pour aller voir les cadavres et surtout les machins là, comment dire. Va falloir que j'aille voir les carcasses en fait. J'ai plus de balles. Ça, c'est ballot, ça. Ah! Je suis tombé. Champignons, nice. Qu'est-ce que c'est que ça? On récupère plus d'infos, c'est pas mal. D'accord. C'est de la vie. Pourquoi pas? Attention, le poison te fait perdre de la vie petit à petit. Utilise un antidote dès que possible. Peut-être que... Nice. Deuxième fois du miel, plus qu'une, et ce sera top. On récupère plus d'infos. En vrai, c'est vrai que c'est pas passionnant en fait. Là, c'est pas passionnant du tout ce que je fais, mais en vrai, moi je trouve ça intéressant. Ah, c'est les filets de capture. Ah, d'accord, c'est peut-être pour capturer les bestioles, d'accord.
Voyons. Salaud. Ça fait mal quand même. Il s'enfuit. Ça me perturbe, je sais pas où est-ce qu'il est. Des infos. Hein. Bon, bon, bon. Salaud. Vite fait. Ah, je croyais pouvoir prendre les infos. J'ai pas eu le temps d'attaquer. C'est pas possible, frère, à chaque fois il s'enfuit. Et ça devient embêtant à force. Allez, on prend le symbole cette fois. Il y a une carcasse juste à côté, on va pouvoir terminer ce qu'on avait commencé. On prend les capsules perforantes.
Il boite. Allez. Sélectionne Astera à partir de la carte du monde pour qu'on puisse rentrer. Allez, le Kouyaku, c'est bon. On récupère tout. J'ai pas encore fini mes quêtes. Attendez, je vérifie vite fait mon micro. C'est bon, il est toujours branché. Du coup, il nous reste quoi ? Ta position, ton objectif ? Et te permet aussi de suivre les monstres. Jar, où ouais, les ah les Yagar, ils viennent par ici. Il me faut plus des champignons, moi. On va partir d'ici avant de croiser les Yagars. Ah ouais, les champignons bleus. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Sélectionner un camp sur la carte pour t'y rendre instantanément. Hey oh. Wow. Je m'y attendais pas à celle-là. Il y a des champignons bleus, mais je peux pas. Faut que j'utilise des trucs empoisonnés pour pouvoir utiliser des antidotes. Nice. Ah c'est bon, il s'est soigné. Je vais aller chercher les champignons. D'ailleurs, ils sont là. Comment ça, champignons bleus max? Il y a un problème là. Ma quête, elle a été faite à fond ou pas? Ça me paraît bon, je vais pouvoir récupérer les champignons. Encore deux, donc encore
Hop, herbe antidote, nice. Il y a celui qu'on a vu là. D'accord. Donc on en a vu un là. Champignon bleu max, non mais waouh. Plus qu'un et on sera bon. Emballer, c'est pesé. On peut rentrer dès que tu veux grâce à la carte. Toutes les quêtes doivent être terminées du coup. Ah ouais, quand même. Le livre du chasseur. Je récupère autant d'infos qu'il faut parce qu'on peut, en vrai, on peut avoir plusieurs trucs. C'est pas mal ça. Du coup, à part les carcasses, bah, il me manque plus grand chose. Et pour les carcasses, je dois aller dans une zone bien précise. Ah bah tiens, le miel, nice. Nice. C'était pas vraiment ici que je voulais venir à la base pour les carcasses, mais si ça me donne tout. Ah non, il m'en faut encore. Ah là là, punaise. Voilà, tiens. Allez, reste sur la terre, toi. C'est bon. Ah, c'est vrai, maintenant que j'y pense, l'animal, c'est un chat de base, donc il aime pas l'eau. Y a rien là-dedans, ok. Donc il nous faut plus qu'une ou deux carcasses et on pourra s'en aller. N'empêche, c'est bien l'exploration. Après, je vais pas faire ça tout le temps, je crois, parce que sinon ça risque de prendre toujours trop de temps. Mais bon, voilà. On est dans une zone assez belle, moi j'en profite, les gars. Attendez, c'est quoi ça? Non, arrête. Voilà. Une nouvelle peinture. Et des champignons, ok, pourquoi pas.
plus t'y peser. On peut rentrer dès que tu veux grâce à la carte. Où est-ce que je vais trouver les dernières carcasses? Vieilles empreintes. Tiens, tiens, tiens. Va falloir que j'aille dans la forêt et que j'aille dans la taverne des bestioles en fait. On prend toujours un peu de miel au cas où. Oh oui, bah bien sûr. Salut. Apparemment, j'ai pas l'air de l'intéresser, donc on va... on ne l'intéresse pas, donc on va pas le chercher. Si on ne l'intéresse pas, ça veut dire qu'il s'en fout total, hein. Des minerais. Oh non, encore lui. Ah non, c'est bon. Ah mince, les carcasses sont plus là. Il n'y a plus de carcasses fouillables. J'espère qu'il y en a encore un peu quelque part. Hein. C'est sûrement pas à l'extérieur que je vais trouver des carcasses. Bah tiens, qu'est-ce que c'est? Toile d'araignée, nice. Je crois que ça va être problématique ça. N'hésitez pas à mettre un petit coucou si vous êtes toujours là. C'est vrai que d'ailleurs, quand j'y pense, j'ai même pas vraiment fait attention au chat maintenant. C'est vrai que explorer comme dans Darksiders. Ouais, mais dans Darksiders, je connaissais déjà un peu le jeu, tu vois, j'avais déjà beaucoup joué. Donc c'est pas le plus gros problème quoi. C'est vrai, je réponds à peine maintenant aux commentaires, mais t'inquiète. Je suis tellement à fond là-dedans que... Oh tiens, le gros Yaga, il est là-bas. Emballé, c'est pesé. On peut rentrer dès que tu veux grâce à la carte.
Il s'est empiffré, le salaud. Viens là! J'ai raté, punaise. Anjana, Anjana, quoi? Grand, ah, ils ont, il a quitté la zone. J'ai jamais vu des mobs qui sont censés être hostiles. Être aussi trouillards. Hein. Ouais, c'est bon, ceux-là, on les a déjà assez vus. Bah tiens, il va où, lui? Il va s'empiffrer? Ouais, je confirme, il va s'empiffrer, ouais. Il va boire un coup. Il fait très mal. Ah mince. Ah ouais, je me suis fait mettre KO. Ouf. Ah, j'en ai rien à foutre, je vais le buter. En deux coups, il peut me buter lui, donc faut vraiment faire gaffe. En marchant dessus, il me fait super mal. Oh, sérieux. Bon. Emballé, c'est pesé. On peut rentrer dès que tu veux grâce à la carte.
Ouais. Je suis un peu déçu de ce truc-là, mais bon. Mon expédition est pas folichonne, hein. Ouais, tu sais quoi, on rentre, c'est bon. Même si j'ai pas tout fini, c'est déjà pas mal, quoi. On est resté plus d'une heure ou deux, là, c'est déjà énorme. Retour au QG. Voyons voir ce qu'on va récupérer. C'est quoi ça? Attendez, je vais retirer la caméra. Quoique, je vais juste déplacer la caméra. 2 secondes. Voilà. Sert à de nombreux usages. Destruction de la tête. Allez, on prend tout. Ouais, j'ai tout récupéré. Foutu pour foutu. Ah ouais, quand même. Eh, Palico, il a passé pas mal de level. Wouah. Une nouvelle cinématique a été ajoutée à ma galerie. Nice. Bah, en vrai, je suis pas contre. C'est pas mal. Fantastique. Merci d'avoir sécurisé le site du camp. Nous venons tout juste de l'aménager. Tu peux t'en servir comme bon te À semble. bientôt. Et maintenant que je sais de quel bois tu es fait, j'espère pouvoir te convaincre d'accepter plus souvent les tâches dont j'ai la charge. Ok. Le camp numéro 11, forêt ancienne. Mise à jour du bestiaire. Nice. Je vais aller crafter des équipements. Allez, on n'est pas fainéant, on monte les escaliers au lieu de prendre une cinématique, allez. Je te conseille d'améliorer ton équipement chaque fois que tu en as l'occasion, que l'occasion se présente, ça sert à rien d'attendre. Alors, est-ce que nous allons marteler, qu'est-ce que nous allons marteler aujourd'hui? On va voir dans la forge, dans les tenues, parce que j'ai pas la tenue complète. Pour faire mes gants enfin, hein, parce que clairement, c'est ce qui me manquait. Hein, voilà. Du coup, on équipe. Du coup, on a la tenue complète du chasseur. Oh mince, il y en a des plus belles. Ah, mais c'est celle du Yaga. Celle du Kulu. Ok. On va voir dans les armes, dans la grande épée. Il n'y a que celle-là qui peut être bien. C'est moi ou je viens d'en faire une deuxième? D'accord, je viens clairement d'en faire une deuxième. Pourquoi pas? D'accord, pourquoi pas. Du coup.
Amélioration. Dans les équipements équipés. Nice. J'ai augmenté le torse. Mince. Et pourquoi pas augmenter la lame? Ah, j'ai pas encore le matériel. Bah, on a augmenté les gants plus le torse. Plus qu'on veut augmenter les jambes alors dans ce cas. Quoique le bas du corps. Ouais, celui-là. Voilà. Un peu mieux. On n'a plus rien pour améliorer, mais c'est pas grave. Du coup, équipement palico. T'es mal. Il a plus de bonus qu'autre chose. Bon bah voilà, ça paraît bon. Eh bien en vrai c'est sur ce panorama qu'on va se laisser les gars, parce qu'en vrai il commence à se faire tard et je préfère pas trop live trop longtemps. Il est parti dans un autre pays le chat pendant un moment, non? Ouais, clairement. Mais je vais peut-être m'arrêter là parce qu'au moins je suis sûr de pouvoir encore avoir la hype du jeu pour pouvoir continuer d'y jouer. Parce que là je commence un tout petit peu à me lasser du jeu, donc je préfère arrêter tout de suite pour avoir encore envie d'y jouer plus tard, tout simplement. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la prochaine.